petit peu élevé, je le trouve. Un peu sec. Oui, malgré la bière, je trouve un peu sec pour l'arroser. J'ai compris, allez, on va la courir. Allez, hé, c'est lui. Oh, ce qu'il est beau, ce camion. Bon, je viens maintenant qu'on l'a bien admiré, arrêté dans la rue. J'aimerais le lancer sur la route. Ah, en principe, il est fait pour rouler. Il faudrait un bon fret, bien payé, pas pressé, à cause du rodage. Tu as ça, Lucette? Oui, 7 tonnes pour l'Algérie via Marseille. Traîne pas trop quand même. Vous en faites pas, il y a un mois que j'ai pas vu ma femme. Oh, Dupuis, dans le camion à toi? Oui, je pars pour mon premier voyage. Tu peux pas m'embaucher, je suis au chômage. Oh, mon pauvre vieux, avec ce que j'ai à rembourser chaque mois, si tu crois que je vais pouvoir me payer un chauffeur. La santé de Dupuis, hein? Ben volontiers, parce qu'il va en avoir besoin de santé. Pourquoi tu dis ça? C'est un costaud, Dupuis. Justement, les costauds, ils croient qu'ils peuvent rouler sans jamais s'arrêter, ils s'abusent de leur force et tu les retrouves tous à l'hôpital. Sur la route, l'organisme, c'est comme les moteurs. Plus tu tires dessus, moins ça fait de kilomètres. Alors d'après vous, Dupuis, on aurait dû prendre un chauffeur. Sûrement. Malgré ses dettes? Mais enfin, faut être cinglé pour rouler seul entre Paris et Marseille. Personne n'y a jamais réussi. Ben, Dupuis. Il n'y a pas de Dupuis qui tienne. Pourquoi tu crois qu'on est tous à deux par camion sur Paris-Marseille? Pour résorber le chômage, peut-être? 800 km volant d'un poids lourd, c'est trop pour un seul homme. Celui-ci, il faut les faire sans s'arrêter. Puis tu penses bien que Dupuis, avec ses besoins d'argent, il va rouler qu'en rapide. Je dis pas que ce sera pas dur. Dur, mais ce sera un enfer, tu entends? Un enfer. Il te plaît? Oh, mon petit, je suis content pour toi. Ça, c'est du camion, alors. Dis donc, ça doit rouler, ça doit... Tu vas sur le sang. Ouais. Tu veux que je te dise? Dupuis, il est inconscient. Il n'y a pas d'autre mot. Inconscient d'avoir demandé à son patron de quoi s'acheter un camion. Inconscient d'avoir quitté la ferme Mathieu où il avait une place en or. Et inconscient d'avoir emprunté tant de millions pour débuter à son compte. D'accord. Puis d'abord, pour commencer, il aurait pu se contenter d'un camion d'occasion. Non, mais si, il lui a fallu tout de suite le dernier modèle. Ce qu'il y a de plus beau. Direction assistée, cabine panoramique, radio et tout le cirque. Un vrai môme. C'est beau d'être au monde. Ça passe. J'approuve, toi? Ben, dans le sens, oui. Il doit être tellement heureux aujourd'hui. Tellement fier. Ah, je le vois. Il doit se sentir le nabab de la route. C'est sûrement le plus beau voyage de sa vie. Il n'a pas fini de le payer, ce voyage-là. Le nabab. Thank you.
l'ai croisé sur la route au volant de son gros cul de luxe. T'aurais dit l'empereur. Salut, salut les gars, salut. pauvre vieux. Alors toi aussi, tu le plains? Ah bah dis donc, il y a de quoi, non? Avec toutes les traites qui s'est mises sur le dos. Des traites de milliardaires. Il se prépare des drôles de fin de mois. J'aimerais pas être à sa place, moi, avec son bahut supersonique. Moi, j'ai un vieux teuf-teuf, il en fume tout le monde. Mais il est à moi, et je ne dois rien à personne. T'en fais pas. Je ne donne pas un an avant qu'il soit obligé de vendre pour rembourser. Il faut pas croire, quand on fait faillite, même en revendant, qu'on n'y laisse pas des plumes. Enfin, c'est formidable, quand même. J'ai vu au moins 100 routiers depuis ce matin, pas un qui soit pour lui. Toute la route le condamne. Tu dis qu'il est mal accueilli partout? Toute la route le félicite, au contraire. Mais elle est dégueulasse, la route. Bah non. Mais on voudrait tous lui dire qu'il a fait une folie, mais personne n'ose. À quoi bon, c'est trop tard. Ça servirait qu'à lui gâcher le plaisir. Alors, on fait semblant d'être content pour lui. Bon, vous depuis. Il est beau, hein? Ah oui. Allez, monsieur, c'est beau, ton camion, là, hein? C'est ça? Allez. Tu as un brave culot d'avoir demandé un jour de congé à ton patron pour monter à la rencontre de ton mari. Donc aussi, tu pouvais pas l'atteindre à Marseille. Oh, écoute, Marius, arrête de me taquiner. T'as pas cessé depuis qu'on est parti. Puis d'abord, pourquoi on l'a pas croisé? C'est pas moi, peut-être, il a pris une autre route. Ou alors, il s'est rangé dans un petit chemin pour dormir et puis, flou, ben, on est passé sans le voir. C'est possible? Eh ben, tu nous fais rouler tellement vite. Écoute, Marius, retournons alors. Ah oui, alors c'est ça, comme un taxi, là, alors. Enfin, mais si on l'a manqué, moi, il faut que je sois à Marseille pour le recevoir. Madame Fanaz, on ne l'a pas manqué, va. Là, tu crois tout ce que je dis? Oh là. Oh, il descend lentement pour ne pas blesser son moteur tout neuf. C'est un nouveau voyage de noces, ça, tu comprends? Et il y met de la délicatesse, il fait durer le plaisir. Tu es pressé qu'on parte, hein? Allez, Combe, viens nous sauver de trop. Et faites pas un petit camion, hein?